chiffres et même réaliser et nous décider de présenter nous quelques nouveaux CSAO. Le CSAO est pour avec Zaki Nabé, qui est divisé en trois groupes, qui c'est libération d'otages, tentative de kidnapping et simulation de kidnapping. Nous avons aussi discours pour tout, nous allons parler de lui. Et nous avons un membre de gang qui va être pris par la police. Et nous avons 9 membres de gang que la police est venue arrêter. Après, je dis, nous allons parler de la situation qui a dévoilé, je dis, dans plusieurs zones de la capitale, là, pour qu'on y aille. Raison, c'est parce que pour qu'on y aille, la police a fait intervention. Et nous décidons pourquoi parler sur ça. Nous devons parler de ça, mais un jour qui n'est pas trop là. Et nous avons demandé de notre patience pour nous donner tous les éléments d'information qui sont nécessaires pour nous parler de ça qui a déroulé jeudi. Pour ça, qui est pour nous avec libération d'otage, il y a trois mois, la police libérée. C'est des CPJ, ensemble avec le commissariat Akaye et Cabaret. Qui te fait une intervention dans un petit temps. Côté des trois membres qui ont été jeunes libération, il y a un monde qui a été jeune arrestation et il y a un autre qui est blessé qui ont fui que la police a cherché. Parmi les gens que la police a libéré, il y a Mme Kepri, des humains qui ont eu Jésus là, Marcena, avec petit garçon, du berceau de ses fleurs. Moun sa yo, comment ainsi de ça, il y a eu une télévision. C'était une date qui était le 6 juin 2021. Il y a eu une télévision chez elle et madame Désumé qui était à l'église, dans zone l'église Saint-Thomas. Il y a eu une procédé à enlèvement de Mounsaï. C'était une date 6 juin 2021. Mounsaï a eu d'abord un véhicule de marque Lexus. Couleur grise. Véhicule ça a été récupéré par la police dans une cabane. Il y a deux suspects la police de mettre bien sûr dans le même visa. C'était déjà Jean-Baptiste et Wendy Jean-François. La police est arrivée jouer mon salon dans un duplo dans la commune cabane. Après que la police puisse procéder à l'interpellation de Mounsaï et de suspects dans l'accident qui était passé, DCPJ a commencé le travail sur le dossier. Après quelques temps, tu as gagné la mission qui t'a demandé une forte somme d'argent. Et famille victime a décidé de rançon. La mission, monsieur, pour l'instant, ça va. Et on avait décidé de libérer non plein la parmi deux Mounsaï, qui c'était Chériel Mimensi et Ketli Désumé Kéolévra. Je t'ai libéré Chériel Mimensi le 13 juin 2021. Après libération de César, la police a continué de travailler sur le CIR, précisément le CPJ. Je collectais plusieurs informations, après collecter l'information, une intervention est planifiée entre le CPJ, le commissariat Akaye et Kabara. Les arrivés dans une séquestration, j'ai un doute, il y a trois membres qui étaient de libération, la police n'a pas été courant de l'autre commissariat. C'est les arrivés qui ont de l'autre commissariat, ensemble avec Madame Kepri Théologue. Et la police qui permet de l'autre commissariat de libération. Et selon l'information que nous avons été collectés. Deux Mounsaï ont été enlevés dans un bus pendant le voyage. C'était dans une rue jaune et que nous convoyons qu'à faire trafic dans la rue. Pendant le bus, ils ont approché et ils ont dit qu'ils descendent. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire du lit, si ils ont fait du lit, la tuer. Et ils ont même été acceptés, ils ont descendu doucement. Et tout le monde a regardé que l'État descend avec la douceur. Personne ne va dire. C'est ça que fait la police, dit nous. Les mauvais, ça kidnappé, nous devons autant de kidnapper. Pas hésiter, donner la police 122. Informer la police pour la police qui m'a fait intervention.
Deux mouns a oublié ça avec la mission, le thé a démetté dans le lieu de distraction, qui c'est Titan, côté de Kémé Mouns a oublié, dans une grande propriété qui tout près, route nationale, zone Mission Espoir. Mouns a oublié ensemble avec plusieurs autres mouns dans l'espace. Après que Mouns a oublié libéré, il a été payé dans plusieurs éléments de formation. Selon ça, il a dit que avant il a été libéré dans l'autre monde dans l'espace. Et l'autre monde a été payé ensemble, Mouns a été joué une libération. Et le CPJ lui-même a cherché l'information, il a été joué qui pour Mouns a été. C'était Archibald Olivier et Yves Nafferimont. Mouns a été déjà payé et quitté l'espace. Sans qu'il n'y ait pas de former la police. Parce qu'il y a plein de gens qui ont été dans le CPJ, qui ont été former la police dans la police. Parce qu'on est que si on est séquestré et si on est bâillé ensemble. Ça fait un abou et dit encore, par les dossiers, nous-mêmes, aller jouer le CPJ. Il y a des gens qui ont été capables de dire que ça va faire. Par négocier avec personne, les gens, les familles qui ont été en s'il vous plaît, ou mes amis. Nous savons que c'est un chemin. Olivier et Yves Nafferimont, ils ont été des CPJ informations. C'est l'information, c'est dans la même circonstance que j'ai trouvé en ville. À bord du bus, mon approché, mon lieu de descendre doucement, il est descendu, mettez-le à bord, le véhicule, il a mis dans le lieu de circulation. C'est que nous avons compris que Bandio a fait une autre forme là, nous qui n'avons pas. Comme on est très prudent, il a marché à bord de machine. Et puis, nous avons plus que nous-mêmes, il faut que nous aider la police pour les former. Mais ça nous est comme qui s'agresse pour la police qui même pas intervenu. En résumé, nous avons une date que nous soutenons là, trois membres de la police qui ont été libérés, un monde qui a arrêté, un monde qui est blessé, qui est en fuite, et il y a plusieurs téléphones de la police qui ont été saisis dans les salles. Et à partir de téléphone, ça y a plusieurs éléments de formation et de CPJ qui fait connecter. À partir de formation, ça y a de CPJ à continuer le travail. N'a précisé pour vous que monsieur lui a arrêté. Non seulement nous avons joué dans une zone, en grand espace, dans notre côté, c'est lui-même qui a fait le monde, ça y a. Et en plus, nous avons eu un conducteur, plus côté passage, ça y a, qui est coupable. C'est qu'il y a des gens qui proposent que ces chauffeurs puissent y amener les gens, mais non, ce n'est pas trafic à faire. Il y a des gens qui ont été réglés, il faut que nous nous. On a passé un dossier tentative de kidnapping. Lundi 14 juin 2021, dans un lieu, plusieurs individus armés qui étaient à bord de Suzuki, l'hôpital de couleur grise. Et on a ça, c'était TP4744. Il a été tenté d'enlever trois mois. Trois mois, ça a été fait bien pressé, nous-mêmes. Il a été informé la police. C'est leur information de détail sur le petit ça, et vous dites d'abord, machine ça. La police est partie à poursuivre machine ça. Les repérés machine ça, on a remarqué que la police a poursuivi. Il a été parti pour quitter machine, le terrain. Mais malheureusement, la police a été mise en place. Et la machine, ça, pour qu'on y aille, il y a eu un commissariat. Il y a eu des informations qui sont jointes à partir de papier, documents, qui sont jointes dans la machine. Ça. Dossier à pour qu'on y aille. Continuez. Et il y a eu des informations qui sont capables de très bien. Nous avons dossier de simulation de kidnapping. Je ne peux toujours dire, nous faites attention à mon tacte de kidnapping. Des fois, c'est pas grave. C'est que Shérif Fengens, que la famille t'a envoyé à déposer 9 000 $ américains là-bas. Peu de temps après, la famille M. Sad t'a reçu l'information que l'équipe l'a pris. Heureusement, comme ça, t'a fait de nos devoirs, il était allé dans le CPJ. Et le CPJ lui-même a commencé à travailler avec la famille Fengens. Peu de temps après, jour passé, date passé. Famille Fengens, il y a des nouvelles par les compagnies. L'idio qui est sauvé. Non, mais il a du sel. Famille a des CPJ, il a réformé des CPJ. Mais ça, c'est vrai qu'il y a des CPJ
procéder à audition FEGENS. Et FEGENS est passé aux avant. Peut-être que tu fais combien? Neuf millions dans ça, c'est même plus qu'on y a avec. Quand tu commences à rembourser l'argent, ça. Et on laisse l'argent à l'arrivée rembourser. 3700 dollars qui peut être dépensé, qui est dans la mer toujours. Ils remettent, ils mettent en famille. Et pour qu'on y a là, FEGENS, dans le DCPG, il y a l'autre groupe qui était impliqué dans le dossier, ça, qui est détaché, la police a recherché. Et il y a une information sur ça. Nous avons un dossier escroquerie, que c'est le bureau des affaires financières et économiques, qui est un bureau qui est en train de DCPG, qui était mené au dossier. Quand il y a deux groupes qui étaient recherchés, c'était John Johnson, oui, et Rose Berlin, Marcellus. Deux mots qui ont abusé. Faites-moi comprendre qu'il y a permis de joindre papier pour rentrer aux États-Unis, pour faire un visa pour aller aux États-Unis. Que les gens qui vivent pour prendre ça, qui te baillent l'argent pour permettre ça de faire. Et mon salaire a été abusé, il a baillé un faux visa pour rentrer aux États-Unis. Mais les 5 familles de salaire ont été votées plaintes dans les CPJ. 5 familles de salaire ont été permises les CPJ, et même à travers le monde, et remonter à deux mois et dans un cas où la police de l'IBM et des CBG lui-même a continué à travailler sur le César. Il y a un autre monde encore qui est le César. La police a recherché. Et a précisé que Mounsaï était arrivé ramassé dans les 5 Mounsaï qui étaient à côté de l'être dans le CBG. 33 500 $ américains. Et pour qu'on y a là, il y a fou bizarre que le CPJ lui-même, qui veut joindre dans le même Mounsaï, que non seulement il était en bas, et il y a l'autre fou bizarre même pour la bas de l'autre. Nous avons un membre de gang qui était dans la tête qui bat la police. C'était dans la date 11 juin 2021. Kemsi Mikanol, 28 ans. Il s'est montré du Nord. Il était rentré dans le commissariat, dans au Cap. Côté l'État, il fait connaître que les Nayongan, qui a été connu dans tout du Nord, et il sentit qu'il n'était pas en sécurité. Il décide de faire la police d'information et il rentre. C'est ça qui fait, nous avons dit au monde que la police est là pour tout le monde, alors qu'on ne l'a pas. Lui-même, il sentit le danger par rapport à l'autre, on était pauvre, on était prêt pour 100 millions. Alors, il voyait que c'est la consultation de la vie pour moi. Il a décidé à bailler la police pour m'acheter une rente. Et il a monté nos secours, il a fait la justice pour la réponse à Zakon de Gomet. Et l'autre monde qui était ensemble avec nous, la justice a pu nous chercher. Nous gagnons 9 femmes de gomme. Qui était dans les mines, qui s'est donné 17 euros, que la police lui veut mettre messieurs. La police a donné plusieurs informations sur Mounsaï, qui a marché frisement dans la rue, volé les affaires. C'était comme ça qu'il était opéré. Et la police a vérifié qui l'a rassemblé, ils ont pas été ensemble, pour le mettre messieurs. Et dans la base, la police est descendue. L'élite était venue le fruit de l'Assemblée. Et neuf salles, la police qui veut mettre mes souliers, c'est Elancius Blanc, Antoine Girard, Tortus Davidson, Amos Dumetri Cléna, Louis Chameau, Ballon Laïka, Saint-Louis-Jean, Derilus Dina et Soufran Vladimir. Et Mounsaï, j'aimerais dire noir. De ces membres de gang, 17 euros, et la police a des informations sur eux, qui t'a cherché, la police qui veut mettre les sous. Jean, moi, dis là, que très bientôt, on a une conférence qui va le bail. Détails sur l'action qui t'a passé, je ne veux pas dire, on a la dedans et nous allons bail une conférence bilan sur toute l'autre activité que la police, ou bien toute l'autre opération, la police qui veut mener, et arrestation, la police qui veut mener. Merci. Prochainement, maintenant, tout le monde.